Et bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gelden pour les Jeux du Cygne. On retrouve notre partie sur Terra Invicta, on est toujours avec l'initiative et on cherche toujours à profiter un maximum de l'arrivée des aliens sur Terre. Notre objectif qu'on avait débloqué il y a un certain temps, notre objectif final, où est-ce qu'il est défini dans l'objectif hein, c'est de se dire bah on va prendre le contrôle de tout le monde en utilisant les férocytes des aliens. La situation est plutôt pas mal. Donc là on a un alien qu'on veut capturer. On a de la plante à défoncer. Going in hot. Standing by. Where do you need me? Va faire du nettoyage. Adriel, j'aimerais que tu me diminues l'agitation en Chine. Where is Thor Beast to this nation? Ready for orders. Et Ida, j'ai pas de problème d'opinion publique du tout. Non, tout va bien. Sur mes trois grands pays. Sur les autres, bah, tu vas pouvoir aller booster un peu l'opinion publique en Ukraine. We must persuade the people. Avant que je ne l'intègre à la Grande Russie, à la Grande Union Arctique. Alors par contre, en faisant un petit tour de la situation dans le système solaire, j'ai été fort chagriné quand j'ai vu ça. Cérès, vers lequel j'envoyais mon petit vaisseau, dont l'objectif était de... J'ai India 1, qui est en train, qui va arriver pas tout de suite. J'ai constaté avec un fort grand dépit que sur les 4 stations disponibles, il y en avait déjà 3 qui étaient prises par d'autres factions. Alors que moi, j'ai encore une sonde qui est en cours. Donc ça veut dire qu'ils ont réussi en... Alors je me souviens plus. CRS. Voilà, là, a priori, j'ai une sonde qui est en train de se balader et qui devrait y arriver tôt ou tard. Mais tant que la sonde n'est pas arrivée, je vois pas la date à laquelle la sonde est censée arriver. Tant qu'elle n'est pas arrivée, je peux pas réserver de zone. Et du coup, je l'ai complètement dans l'os. Et je suis un peu vénère. Est-ce que j'ai traîné avant de lancer les sondes, juste après avoir découvert la recherche, je me souviens plus, il faudrait que je regarde les épisodes précédents, je pense que j'ai la flemme de le faire. Si jamais vous avez la réponse, je suis pas contre. Si vous avez regardé les épisodes, moi j'ai fait, ça fait quelques temps que j'ai pas tourné sur cette partie. C'est vrai que je me souviens plus trop de ce que j'ai pu faire. Mais voilà, je dis pas non, Cérès c'est quand même une planète, hein, c'est une planète naine de la ceinture principale qui est hyper importante. Elle a des réservoirs d'eau, des réserves d'eau qui sont très importantes. Ce spot là il est juste alors il y a un peu moins d'eau que les autres, mais il a aussi pas mal de matériaux explosifs, pas mal de matériaux nobles, de métaux nobles. Bref, je suis un peu deg, donc il va falloir que je les récupère d'une façon ou d'une autre. Ça me permettra de découvrir un truc que j'ai pas trop exploré encore, c'est comment voler entre guillemets des stations aux autres. India 3 se rend vers Mercure. Mercure, je vais me planter aussi ou pas? Non, pour l'instant il n'y a personne sur Mercure. On va espérer que ça va bien se passer. Pourtant j'ai déjà ma sonde. Là je sais que je pourrais commencer à réserver des... Voilà, là je peux construire déjà des trucs, mais on a vu que c'était assez long. Mais 130 jours, c'est pas ouf. Hein. Mais bon, 130 jours, ça, j'avais calculé. Oui, de toute façon, il arrive le 20 mai, donc ça arrivera. Ma station de construction arrivera avant. Bon, j'espère que je ne vais pas non plus me faire griller sur Mercure.
On verra, bah, sinon on se battra. Hein. Par contre, je vois qu'en orbite, c'est quoi ça? Bah si. Ils sont déjà tous en orbite en fait. Mais saoule. Bon. Allez, on a dit qu'on le faisait à coup de constructeur. Je teste des choses hein, de toute façon. Je suis loin d'être un expert encore dans ce jeu. Bon, voilà. Allez, on démarre. Tac. I will help them. Alors, j'ai... Ah oui, j'ai pas construit finalement de vaisseau. Maintenant, j'ai moyen d'en construire de façon un peu nombreuse. Mais bon, j'ai pas non plus l'économie qui me permet de pouvoir faire grand chose. Donc, ouais, c'est pas... Alors... Je vais améliorer mon collecteur solaire. Là, j'ai un module de construction, mais en fait, je vais le transformer tout de suite en nano-usine. Hop. 14 janvier 2031, c'est pas pour tout de suite. Et donc là, ce que je vais faire ici... Alors ça me rapporte... Les réseaux solaires me rapportent 80 d'énergie, ce qui est tout de même pas mal, hein, puisque... Un module, les modules importants coûtent 40 d'énergie. Donc, du coup, ça veut dire que pour un truc, un réseau solaire, bah, je peux construire deux autres modules. Donc, sachant qu'il y a 12 emplacements, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si je veux mettre... Donc, je peux mettre... 4... je peux mettre 8... Enfin, 4 trucs d'énergie. Hop, réseau solaire. 2, 3, 4. 4 trucs d'énergie pour 8 qui consomment. Donc je vais mettre, typiquement, je vais me mettre 2 de défense. J'ai une nano-usine. Je vais faire une deuxième nano-usine. Je vais mettre un groupe d'ingénieurs autonomes. Donc deux, il me reste 8 moins 3 obligatoires. Pas obligatoires que je veux. Ça fait 5. Je vais mettre 2 nano-usines et 3 centres d'opération. Hop, et donc une autre nano-usine. Voilà. Et donc là j'arrive à 0 pile. Non, pardon. 310 de dépenser sur 320. Donc ça va être, je vais sauvegarder ça et je vais le renommer. C'est quoi? C'est ce qui est autour de Vénus. Ça va être station Vénus. Il est probable que j'utilise le même genre de station aux alentours de... Ah non, attendez, je vais changer un truc. Je vais mettre que... J'ai mis quoi? J'ai mis 3 centres d'opération. Je vais mettre un quai spatial à chaque fois. Comme ça va me permettre de produire éventuellement des vaisseaux. Pour... que je vais vraiment avoir besoin de vaisseaux sur Vénus. Je pense non. Je vais pas avoir besoin de vaisseaux autour de Vénus. Donc je vais rester là-dessus. Normalement, j'aurais pas besoin de vaisseau autour de Vénus. Voilà. Et ça me permettra de... Ah, il s'est planqué, le saligo. Saligo d'alien. Il s'est planqué. Recherche sur Bastion, l'Académie. Aïe. Alors ça veut dire que j'ai un... J'ai l'un de mes gars qui s'est fait voir et qui a une sécurité suffisamment faible.
pour perdre Order is returning. Bah pour me faire perdre des possibilités de bah voilà, plutôt mes adversaires en profitent. Réinstauration du pacte de Varsovie et je peux faire Russie expansionniste plus tard. Donc ça c'est pas mal, ça va me permettre d'agrandir encore plus l'Union radiatique par les armes. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Alors, bah dans le même genre. Ah ouais, groupe de recherche autonome, c'est important. Diplomatie crise, c'est aussi important. Il y a trop de trucs qui sont importants. Investissements transnationaux, c'est pas indispensable pour l'instant. J'ai pas suffisamment de sous pour le faire. Alors je vais prendre. Qu'est-ce que je suis en train de rechercher? J'ai ça sur lequel je n'investis pas, donc je vais. Je vais développer mes protections. Non, pareil, j'en ai pas besoin tout de suite. Ça coûte cher, mais alors pour le coup, comme je vois que je vais être un peu léger. Je vais être un peu léger sur la production d'eau, je crains, dans l'immédiat. Ce sera important aussi. Voilà, ouais, on va développer la. Je vais développer la Chine. Hop. On va continuer de s'agrandir. Donc là techniquement, je peux maintenant revendiquer plein d'autres trucs. Varsovie, Bucarest. Hop, oui, je peux le voir là. Hop. Voilà, là je peux aller chercher tous ces pays en plus. Donc bah, je vais commencer. Je vais peut-être pas être très. Là c'est bon, il n'y a pas de très diplomate. Je risque de me mettre un peu à dos l'humanité. Qui contrôle pas mal de ces pays. Là, en toute logique, ça, je peux pas le revendiquer. Ah, alors là, par contre, c'est allié avec l'Union européenne, ce qui est moins bien. Il va falloir que je commence par faire le ménage rivaux avec l'Union européenne. Très bien. Ah, rival. Avec. Alors là, je vais pouvoir tout de suite déclarer la guerre. Très bonne chose. Là aussi, sur la Roumanie. Sur la Slovaquie également. Sur la Pologne également. En fait, c'est très très bien. Ok. Donc, on va faire ça. Assez vite. La Grande Amérique du Nord unifiée. Ouais, je m'en fiche. Non, je m'en fiche pas. Ah mais je m'en fiche pas du tout. C'est vrai que je peux m'attaquer au Canada aussi. Oh là là, j'ai tellement de choses à faire. Ce que je n'ai toujours pas fait, le Canada est un rival. Très bien. Target secured. Canada, il faut que j'attende le 29 mai. Oui, sinon ça me ferait diminuer ma cohésion. Alors, qu'est-ce que j'ai construit sur Mars? Station Diogo Cao. Qu'est-ce que c'est la station Diogo Cao? Centre d'opération. Ça, c'est les réseaux de réacteurs, nano-usines, réseau de défense hiérarchisé. Et là, normalement. Alors j'ai un tout petit peu de marge pour aller chercher un truc un tout petit peu plus producteur que la baie hippodromique. Mais sauf que j'ai pas le T2. Je vais voir, je vais attendre la fin, je vais voir où on serait. Normalement j'ai encore un peu de marge. Je devais avoir 252 et j'ai de production pour 210, donc là je pourrais aller chercher un module à 40, techniquement.
Mais c'est vrai que sur Vénus, les fermes, ça pourrait être bien pour. Les fermes, en fait, permettent d'économiser de l'eau et des matériaux explosifs. Ça pourrait peut-être valoir le coup. Il faut que j'aille protéger l'Ukraine. Mais avant ça, en fait, que je me souvienne, c'est quoi? C'est l'Académie qui m'a volé des trucs. Donc je vais faire des cachettes terrestres. Avant toute autre chose, parce que ça veut dire que j'ai des gens qui sont repérés. Alors ça ne peut pas être Dachus. Donc Dachus peut encore opérer sans problème. Donc Dachus va pouvoir aller faire des déclarations de guerre. Citron va se planquer aussi. Donc je regarde ici à chaque fois, est-ce que l'agent peut être détecté, enfin est détecté par l'académie, puisque c'est eux qui m'ont volé les trucs. Et je fais cachette pour tous ceux pour qui c'est le cas. Going off the grid. Voilà, donc ça va être un tour où je ne vais pas faire grand-chose. J'irai protéger l'Ukraine. Est-ce que j'ai raison? Non, j'ai pas raison. Ne pas aller protéger l'Ukraine maintenant. Ça peut être une bêtise, hein. C'est quand même un pays que je veux. Enfin, c'est bon, c'est un pays avec. À partir du moment où il y a deux points, c'est plus facile à protéger que les pays à un point. Par exemple, l'Arménie, bah, voilà, s'ils me prennent l'Arménie, en fait, ça me fait perdre immédiatement le contrôle de. Le contrôle de l'exécutif. Et perdre le contrôle de l'exécutif, c'est chiant. Acknowledged. Citron, t'as une sécurité de 10. Ready to go. La sécurité de 6. Donc Citron, Ready. tu vas me faire une défense de l'Ukraine. Making things safe for our people. Hop. Evading pursuit. Going silent. Securing our control. Going into hiding. Ah zut, j'ai pas fait Adrien. Avec sa sécurité de 5, c'était pas très malin. Chantier spatial autour de la Lune, très bien. La Russie expansionniste. Ouais, d'accord. La Russie expansionniste, elle va jusqu'en France, quoi. Jusqu'en Espagne, Ok, donc c'est la Russie qui vient prendre tout le contrôle de l'Europe. Pourquoi pas? Alors, Tempétera sur Mars. Tac. Module d'habitat. Toutes mes protections qui sont arrivées en ligne. You're jerking my chain, right? Alors, c'est There's passé à une no nouvelle way in hell that I'm génération. spending millions on sending a rocket into space. Donc, It qui would peut just make half of augmenter it sink to the bottom of the ocean. mon. Chairman Soren van Wyk comments to SABC News. Qui peut augmenter mon niveau maximum de technologie militaire, mais j'en suis assez loin. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Donc j'ai un militaire mais qui va se terminer. Qu'est-ce que je vais aller chercher derrière? Blindage hybride. Blindage en adamantium. Ça c'est très bien. C'est le blindage à aller chercher et à développer. Équipe d'intervention rapide. Les Andreas subissent un malus de 3 pour les missions de terreur dans le point de contrôle. Nouvelle organisation. Alors, on va voir ce que c'est. Alors, c'était une recherche en xénologie.
ça m'intéresse. Mais pas ouf. Alors, je vais aller chercher. Ça, par exemple. Des petits projets de défense hein, pour améliorer mes batteries d'autodéfense. Alors, c'est quoi cette organisation? Qu'est-ce qu'elle apporte? Bah, c'est tout pourri. Plus un commandement, plus un sécu. Pour du 2 étoiles. Bah, je vais la prendre, hein, mais... Tiens, d'ailleurs, j'ai des points à dépenser. Je vais la prendre. Celle-ci... Qu'est-ce que je vais laisser de côté? Ça, je commence quand même plus trop à en avoir besoin. Donc je vais la revendre directement. Ça me fera des sous, même si j'en ai pas besoin. Moi, je vais garder les points de contrôle de mission parce que je suis quand même vraiment juste. Et ça me fait mes 2 points qui me manquent. Hop, allez. Oui, c'est pas pris en compte encore. Augmenter. Bah, je vais continuer de booster ton administration, toi. Toi, t'es à 25. 15 plus 10. T'es plus 10, c'est quoi? C'est Filf là. Donne plus 4. J'ai des plus 3 encore, donc les plus 3, je m'en débarrasse. Donc, je continue d'augmenter l'administration. Ça me fait quoi? 16 et 10, 26. Donc, je ne peux pas m'en débarrasser encore. Ita, t'es à 25. Donc, plus 8. Mais 8 auquel je ne toucherai pas beaucoup. Il y a plus 5, je crois. Et celle-là qui donne de la persuasion aussi. Donc, celle-ci, je vais les garder. J'avais déjà 25 en persuasion. Donc, bah, je vais pouvoir booster la sécurité, par exemple. Des fois que... Et je suis en négatif dans les sous. Bah. Ouais, c'est mes habitats qui commencent à me coûter cher. Bon, quand j'aurai les nano-usines qui vont arriver, ça ira mieux. Mais ouais, je pensais pas que je tomberais dans le rouge. On a dit augmenter la sécurité. Toi, t'as pas encore tes 20 points. 17, 16, c'est pareil. Hop. Ouais, c'est tous mes modules. Tous mes modules qui sont arrivés en ligne. Je pense qu'ils doivent me coûter cher. Alors ça, propriété de propulsion, j'en ai tellement rien, plus rien à secouer. Oui, là je me dis aussi peut-être que je me débarrasse de quelques armées qui me coûtent très cher. Si on regarde... Il faut d'abord que je fasse ça. Alors, je peux unifier. Bon, bah, je vais unifier l'Arménie, ça sera fait. Je ferai une déclaration de guerre après. Recommencer. Cleaning things up. Si on regarde, hein, mes armées me coûtent un bras. Elle me coûte 3 points de déploiement. Donc chaque tour, chaque mois, pardon, puisque c'est un revenu mensuel, ça me coûte 3 points de... Même 4, puisqu'il y a il y en a 2 qui ont des marines. Waouh. Il faut vraiment que... Je vais me séparer de quelques armées, j'ai absolument pas besoin d'en avoir autant. Même si je me lance dans des guerres. Alors je sais que Varsovie, ils sont quoi? Ils sont 3,9. La Pologne, ils sont un tout petit peu mieux protégés. La République tchèque aussi, ils sont à combien? 3,7. Donc il faudra peut-être que j'envoie les Américains. Mais je vais peut-être faire ça. J'enverrai les Américains qui seront plus efficaces. Et en fait, il faut que je me débarrasse des armées pour augmenter mes revenus. Les points d'investissement, la propriété propulsion, je m'en fous aussi. Projet obsolète.
Bien. Alors, je me loupe la répression de point de contrôle en Iran. Oui, mais l'Iran, je ne veux pas le garder. Hein. Je m'en fous de l'Iran. Ça m'intéresse mais absolument pas. Priorité, abandonner la nation. Je ne veux pas que ça me compte des points là-dedans. Alors, donc, Brieux, tu vas retourner conseiller nos amis chinois. C'est quand même ce que tu fais de mieux. Donc là, je dois me débarrasser d'un certain nombre d'armées. Me débarrasser d'au moins deux de mes armées. J'en ai deux. Je vais me débarrasser des armées avec marine, dont j'ai vraiment pas du tout besoin. Quoi. Donc je vais me débarrasser de la deuxième armée, c'est Yekaterinbourg et Saint-Pétersbourg. Première armée de la garde. Première armée blindée de la garde, deuxième armée de la garde. Donc je vais au moins me séparer de deux armées et je peux déclarer la guerre à plein de gens. Relations, je suis bien lié avec les États-Unis, donc je vais pouvoir les appeler. Je peux déclarer la guerre à donc la Pologne, la République tchèque qui sont rivaux. 1, 2, 3 avec la Slovaquie. 4 avec la Roumanie. Juste que je fasse gaffe qu'il y a l'Union Européenne dans le lot. 5 avec la Bulgarie. Et les autres, il faudra que je me les fasse diplomatiquement ou en les rivalisant. Ce qui est aussi une possibilité. Donc de toute façon, je peux déclarer un certain nombre de guerres. C'est pas un souci en soi. Donc, hop, choix d'une politique nationale. Non, toi, il fallait que je te planque. Toi, tu te planques aussi. Where do you need me? Kruger. Choix d'une politique nationale en Russie. On my way to the capital. Hop. Offering counsel. Going into hiding. Genghis Khan is a short-sighted fool. Alors, guerre cross-interface. All those weapons, yet instead of leasing it to others and reaping the rewards, all he could think to do was... Ok, donc on va aller sur les... Alors, c'est quoi comme technologie, ça? C'est du militaire. Là, il faut que je m'implique parce que j'ai des projets avec pourcentage. Donc, je vais éviter de continuer sur du militaire. On va aller chercher les différents réacteurs possibles. Hop. Ça, les assèchements, on va aller chercher ça. Donc. Alors, je suis sur Mercure, India 3. Alors, je vais fonder une station solaire en orbite basse de Mercure. Très bien, géré. Hop, je vais tout de suite te passer en T2. Alors, à quel point est-ce que je suis complètement à la ramasse sur Mercure, du coup? Tac. Orbite, je peux pas créer pour l'instant. Attends, India 3. India 3, t'avais pas. Laboratoire mobile de recherche spatiale, une équipe scientifique de la recherche spatiale augmente de 5%. Le vaisseau peut inspecter depuis des orbites d'interface les corps spatiaux à la recherche d'emplacements de base. Ah, mais je l'ai déjà fait. Alors pourquoi est-ce qu'il me dit pas que... Ah non, mais je suis sur Vénus là. C'est pas Vénus que je veux. C'est Mercure que je veux. Ah, voilà. Mais là,
c'est toujours aussi long. Parce que... Donc il y a toujours personne. Oui, il faut que j'attende que mon module de construction soit terminé. Donc... voilà, ici... Voilà, en orbite basse de Mercure, c'est ça. Donc dans... Bon, j'attends le 7 novembre. Hein. Bon, c'est naze. Les trucs de construction, c'est naze. c'est un échec maximum. Je suis un peu dégoûté. Parce que là, c'est novembre. 16 novembre. Donc 16 novembre, c'est dans... je suis le 20 mai. Donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. C'est dans 6 mois. Il faut 6 mois pour que je construise mon truc de construction. Mon module de construction. Là, je mets 140 jours. 140 jours, ça fait... 30, 60, 90, 120, 150, ça fait 5 mois. Fais chier. Bah ça va me coûter du boost, hein, tant pis. Bon, j'aurais pu commencer avant. Je me suis pas fait piquer les emplacements pour l'instant. Ça me coûtera beaucoup moins cher quand il sera installé, le module de construction. Mais, donc bon, c'est naze, hein, sur Mercure, hein, on n'a vraiment pas des spots qui soient intéressants. En eau, il n'y a rien, en explosif, il n'y a rien. Il y a un peu de métal, donc ça, on ne va pas cracher dessus. Un tout petit peu de fissile. On va aller chercher, par exemple, le cratère Alvear. On va fonder plutôt un avant-poste de base. Oui, parce que ça coûte un tout petit peu cher. Hop. On gérera ça après. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre tout de suite? Bah, si vous avez une toute petite expérience sur comment est-ce qu'on utilise correctement les modules de construction, je suis preneur parce que je dois bien avouer que je suis. Est-ce que je me suis complètement planté parce que j'ai pas les bons moteurs? Est-ce que c'est peut-être ça, hein. Peut-être que tout simplement ça n'est intéressant qu'avec les bons moteurs et j'avais pas les bons moteurs, les bons propulseurs pour envoyer encore plus tôt les vaisseaux autour d'une planète. C'est peut-être ça, hein. J'ai peut-être mal timé le truc. Et il faudra que je creuse un peu. Du coup, j'ai construit sur Tolkien. C'était pas du tout là que je voulais le mettre. Non, mais n'importe quoi. Cratère Alvear, on m'a dit. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas fait? C'est pas ça que j'avais fait. C'est pas grave. Donc, Alvear, c'est pas mal. Là, c'est pareil. C'est pas mal en métaux nobles. Et je vais prendre Chao Meng Fu. Hop. Je vais prendre Prokofiev. Non, je ne vais pas tout de suite gérer, je gérerai ça après, on a dit. Prokofiev. Tac. Il me reste quoi? 355 de boost. Sur Tung Yunan Yuan, j'ai encore pas mal de. Matériaux nobles, par contre les trois autres, là il y a quelques matériaux fissiles, avec des ressources de 2, celui-ci présente vraiment peu d'intérêt, et celui-là non plus. Donc Rupes, bon, ceci dit, clairement, Mercure, on ne l'utilise pas pour le minage. C'est vraiment pas. C'est un peu la petite cerise sur le gâteau, mais le nage, ça prend des points de contrôle de mission. Donc
On évite de construire tant qu'on n'est pas large en contrôle de mission, on évite de construire. Là, je vois d'ailleurs que je suis quand même vraiment ric-rac. Donc, je vais pas passer directement au T2. Si, alors je vais le faire sur 1, le plus intéressant, on a dit que c'était Alvert. Alors, sur Alvert, hop, je vais passer tout de suite au T2. Il me fait passer à 78. Je ne vais pas construire la mine. Et je construirai les différents modules ensuite. Quand ça sera en ligne, c'est-à-dire le 13 octobre. Voilà, bon, ça sera, le T2 sera en ligne avant que mon module de construction ne soit opérationnel. Je suis content. Bien. Je sais déjà comment va s'intituler cet épisode. Allez, on retourne sur Terre. Allons faire la guerre. Nouveau projet disponible. Les lasers. Donc, il faudra les faire tôt ou tard. Mais je voulais commencer à envoyer mes armées. Hop. Vers des endroits sympathique comme ici, l'armée américaine. J'en aurais pas besoin de 50 normalement. Tac. Je vais en envoyer deux. Toi, je vais t'envoyer là. Et toi aussi. Attends, sachant que ce que je vais démanteler, on a dit que c'était... Lesquels est-ce que je vais démanteler? Non, c'est en Russie que ça m'intéresse. C'est la Yekaterinbourg. C'est celle-ci qui va être démantelée, très bien. Et Saint-Pétersbourg. Donc celle-ci aussi va être démantelée. Donc, ça sert à rien que je te déplace. Par contre, je vais déplacer celle-ci. Hop. Mission complete. Alors, on va commencer par démanteler. On a dit. La première armée blindée de la garde. Tac, confirmé. Et recommencer parce que je vais faire d'autres déclarations de guerre derrière. Policy direction complete. Ensuite, démanteler une armée. On a dit qu'on faisait également la deuxième armée de la garde. Hop. Voilà, ce qui déjà me laissera un peu plus de sous. Mission complete. Ouais, ça fait une drôle de répartition des armées, du coup, je sais pas s'il va le changer. Alors, déclarons la guerre. On peut déclarer la guerre, alors pas à la Norvège pour l'instant. On peut déclarer par exemple la guerre à la Roumanie qui n'a pas d'armée. Le plus simple. Alors, l'Union asiatique demande à son allié les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, les Royaumes-Unis, le Pakistan, la Norvège, la Pologne, le Portugal et la République tchèque devraient accepter. Ah bah du coup, oui, ça fait l'avantage, c'est que je fais tout d'un coup. La Chine, par contre, elle peut rester neutre. C'est la guerre. Hop. Ah non, stop. Putain, pause. Hop, ça continue de construire sur Mars. Alors. Je suis en guerre. Pour l'instant, on va surtout... Alors, il y a du coup... Eh oui, j'aurais dû y penser. Toi, tu vas plutôt te défendre pour l'instant. Toi, tu iras en Roumanie. Hop. Pour l'instant, les Russes ne bougent pas.
Peut-être que je devrais envoyer plus d'armées quand même. Peut-être envoyer plus d'armées américaines. Parce que quand même, il y a un peu de monde. Du coup, toc 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 toc. Où est-ce que c'est? Démocratie, popularité, statut de l'alliance. Ah ouais, je suis en guerre contre un peu de monde quand même. Donc ce qui m'intéresse, j'ai pas de revendication sur la Norvège. Revendication. Donc je vais l'envoyer ici aussi. On va pas faire dans la demi-mesure. Hein. Je vais en garder deux à la maison. Des fois que l'Europe cherche à venir me faire des câlins. Je vais mettre là en protection. Je vais mettre 4 armées. Voilà. D'aucuns diraient que c'est un peu étrange de commencer par démanteler des armées juste avant de déclarer la guerre. C'est pas grave. La sonde est arrivée, je m'en fous, c'est la Cérès que je la veux, cette monde de sonde. Scrognonieux. Riga. Riga, Riga, Riga. C'est là, Riga. Check, army moving toward Minsk. Minsk, ben. Minsk, c'est là. Et là, on va aller défendre Minsk. Hop, sonde arrivée. Je veux être à CRS. Avec un peu de bol, ça tardera pas trop. Denver. Les aliens qui arrivent. C'est marrant, j'ai pas eu de message d'alerte sur le fait que j'avais une armée qui dirigeait chez moi. Il arrivera le 6 juin et moi j'arriverai le 1er juin. Bon, pas de soucis. En orbite de Vénus, très bien. Alors du coup j'ai peut-être plus trop besoin de déclarer. S'il y a encore la Bulgarie à qui je peux déclarer la guerre sans problème. Et la Slovaquie. Donc j'ai bien encore deux déclarations de guerre que je peux faire. Alors. Est-ce que. Bon c'est en cours de diminution, mais je vais quand même aller. De stabiliser ma petite Chine. Là, on va faire de la pub. Hop. Making our case. Where to? Quand est-ce que je peux faire l'appel? Non, pour l'instant, je peux rien faire d'autre. Et Franz Kruger. Franz Kruger. Ouais, là c'est encore un peu compliqué. J'ai pas très envie de trop monter le. Attends, est-ce que Dachus il peut pas plutôt me faire des. Si. De l'influence, j'ai ce qu'il me faut. Je vais aller choper. Hop. Je vais aller choper la Finlande diplomatiquement. Et du coup, Franz Kruger. Heading to the capital. Utilisation de ressources in situ. Donc ça me permettra, avec un peu de bol, de choper des boosts. De. Dans les mines. J'en vais en avoir besoin. Ça, j'en cherche. Ferme. Je vais aller chercher les fermes pour économiser du matériau.
Kharkiv, c'est ici. T'as pas fini tes déplacements. Murmansk, c'est bon, il est sur place. Offering assistance. Module d'habitat. Putain, j'en ai fait une quantité de. Les lasers, c'est atroce. Il y a plein de modules de lasers. Alors, Bucarest. Je suis à Bucarest et donc je commence à attaquer Bucarest. Minneapolis, très bien. Dallas. Alors, sur Vesta. Ouais, c'est bien, mais c'est pas ouf. Kiev en protection. La Sabaston. La Gémé réseau de défense. Ok, point d'investissement, propulsion. Je m'en fous complètement toujours. Atlanta. Voilà, donc l'armée tchèque hein, se fait défoncer la tronche, en toute logique. Puisque, bah, comme je suis à la maison, j'ai quand même un bonus. Alors, j'ai un bonus grâce à mes stations de recherche. Module d'habitat LEO. Ça peut être ça. Comme je suis en défense, bah, j'ai un plus 0,25. Donc voilà, ça fait un 4,248 contre de base, lui, il a 3,7. Et comme il s'est pris déjà pas mal de dégâts, bah, je fais, voilà, ça le rend encore moins efficace. Violence is abating. Hop, je vais me refaire ça encore un petit coup derrière. Policy direction complete. Déclarer la guerre. Alors, on a dit à la Slovaquie. Les États-Unis, oui. La Chine, non. Policy direction complete. Et on avait dit également la Bulgarie. Hop, hop. Prepping for next mission. Alors, ça y est, les Ricains sont là. On va pouvoir y aller à coup de tank. Bon, je vais attendre que les copains arrivent et j'enverrai tout d'un coup. Et moi, arriver à CRS, bord de main. Les fermes, espace de vie de l'habitat, c'est moins intéressant. Et ben, on va aller chercher les différents réacteurs. Je ne sais jamais lequel est le plus intéressant, donc je vais prendre par défaut le plus celui qui coûte le plus de points. Riga, très bien. Je devrais en avoir 4 qui arrivent, voilà. Hop. We are in control here. Très bien. On voit que la prise de contrôle est quand même pas non plus hyper simple. Je vais peut-être envoyer une deuxième armée, hein, parce que quand même l'armée russe sait pas ce que c'était. Alors ici, on va devoir booster notre popularité tôt ou tard. Making our case. Parce que ça va être intégré à la maison, à la grande nation russe. On va devoir diminuer l'agitation. I'm here. I'm here. Et Dachus, tu me refais une prise de contrôle, une purge. Terminating the opposition. Hop, est-ce Lending my expertise. Voilà, l'armée tchèque est détruite. Très bien. Riga 3 et. Riga 4. Ok. Et donc là, on fait déployer les armées. Les Russes, les Polonais vont s'en prendre plein la tronche. Qu'est-ce que j'ai terminé? Collecteur solaire autour de Mercure. C'est très bien, mais peu utile dans l'immédiat. Et j'ai.
Station Cabot, on n'a pas idée de s'appeler comme ça. Donc c'est pas celle-là, c'est celle autour de Mercure. Pourquoi est-ce que... Station Cabot... Station Cabeza de Vaca. Collecteur cela. Oui, c'est que je ne peux pas encore faire le T2. C'est pour ça que c'est le T1 qui est sorti. Hop, emmenez-moi. Voilà, les Norvégiens se sont fait défoncer aussi. Voilà, ils ont vraiment du mal, quoi. Ah non, c'est bon. Je voyais mal. Construction d'une marine augmentée de 5%. Bouf. Bouf. Soutien populaire. Hop. Pouvoir, je sais pas si tu auras l'occasion de hop, très bien, succès critique. Things are stabilizing. Hop, réacteur. Ok, on va aller chercher l'autre. Things are stabilizing. Très bien, autre succès critique. Hop. Coup d'état en Iran. Grand bien leur face. Ouais, les Polonais, je suis désolé, mais ça risque de mal se passer. Chasseurs. Des individus armés ont été vus en train de chasser les formes de vie extraterrestres dans la région de Sébastopol. Les motivations sont peut-être commerciales. Ces proies extraterrestres sont vendues à prix d'or à des clients curieux. Purement lié au plaisir de pratiquer la chasse. Ils sont allés faire ce qu'ils veulent. Opinion qui se renforce concernant les extraterrestres, certainement pas. Créer une entreprise intéressante, nous devrions pouvoir la rendre rentable. L'opinion se renforce concernant les extraterrestres en euro-asiatique et je vois un revenu mensuel augmenté de 10. Bah écoute. Écoute. Même si j'aimerais bien que... Il n'y a pas trop de sympathie vers les extraterrestres en Pologne, c'est ainsi. We are in control. Très bien. J'ai le contrôle de la Finlande. Hop. Heavy Fission Pill, il me le faut. Impérativement. Voilà, la Pologne, ça va être bon. Mais je vais arrêter cet épisode-là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire voilà, si vous avez des réponses hein, sur mes questions sur les modules de construction. Je suis parfaitement preneur. N'hésitez pas à éclairer ma lanterne. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.